la raison et motivation principale pour venir au workshop, c'était de pouvoir affiner mon workflow client et améliorer du coup l'expérience client et du coup forcément avoir un impact sur le panier moyen. Mes attentes pour ce workshop, j'en avais pas tellement. J'étais curieux de voir la suite. La version 1 étant déjà lourde à assimiler, je voulais pas me mettre de pression et me laisser surprendre. Alors ce workshop, il était vraiment incroyable, une mine d'or, une mine d'informations, beaucoup d'outils et de d'outils et d'informations à mettre en place. Donc il va y avoir plusieurs mois, voire des années à pouvoir le digérer. Alors du coup, pour ce workshop qui est au niveau de mes objectifs et mes attentes, comme j'étais venu avec sans pression, effectivement je repars avec un sac plein d'informations et beaucoup, oui, c'est une belle surprise et c'est à faire et à refaire. C'est ce genre de workshop qu'on peut redoubler. Alors Steve en tant qu'amateur, il est juste incroyable. J'ai fait beaucoup de formations depuis une douzaine d'années et là Steve, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre parce qu'en fait il a réponse à tout, il a raison sur ses réponses. Et il partage beaucoup d'informations.